Bonjour tout le monde, sawadika. Je toujours vois les touristes qui viennent en Thaïlande avec gros sac. Je ne sais pas une voie déménagement en Thaïlande ou pas. Mais ils ne sont pas confortables quand ils sont en voyage, quand ils sont allés en bus, en le scooter taxi, en tuk-tuk avec le grand sac comme ça. Donc aujourd'hui, je vais parler que ce que tu devais avoir dans ton sac quand tu es en Thaïlande. C'est bon. Maintenant, ça, c'est mon sac. Tada! Tu peux parler comme ça. Mais facile. Comme ça, c'est confortable. Quand tu dois courir pour prendre le bus. Degrés en Bangkok. Okay. Ici c'est soleil et là-bas c'est noir. Bientôt pleut. Donc c'est vraiment important. Après j'ai l'écouteur. C'est vraiment mélangé comme d'hab et je pense c'est pas que moi qui est comme ça. En Thaïlande c'est bouchon. Donc on va perdre le temps une heure de ça. Dans le washroom, donc écoutez la musique, écoutez le podcast, c'est mieux. C'est mieux que vous lisez le livre parce que tout le temps le washroom comme ça, et ça fait mal à la tête. J'ai des mouchoirs pour essuyer ma sueur parce que le temps comme sauna. La plupart des toilettes en Thaïlande, il n'y a pas de papier de toilette. Nous utilisons une petite douche. Je vaporise toujours après je l'utilise les toilettes. Comme ça, la personne qui l'utilise la toilette après moi ne vomira pas. Where is the toilet? Dans votre bouche! Je sens ou appliquer la douleur bombe sur le fond pour la mal à la tête ou le stress. J'ai que ça dans mon sac et c'est vraiment confortable. Bonne journée. Bye.